Cause I think I got something possessed in me. No matter what I'm gonna give, what's left of me. I didn't choose this life, it was destiny. Now I'm feeling like I might go psycho. Stand back cause I'm feeling like I might blow. Slim chance but I'm putting up a fight. Yo les gens, c'est Fatman91HD, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Une review que vous avez été nombreux à demander, car j'ai lancé un sondage sur Twitter et Facebook en fait pour savoir quel milieu de terrain vous aimeriez voir en review. Et c'est donc le génie italien du Paris Saint-Germain, Marco Verratti, qui est arrivé très largement en tête de ce sondage. Du coup là vous avez ces statiniens qui sont en train de défiler. Je vous invite donc à mettre sur pause ou à remettre en arrière pour me les observer. Au niveau de l'équipe, je l'ai placé dans une Ligue 1 pour cette review. A noter que je l'avais joué dans vraiment beaucoup d'équipes auparavant. Le truc c'est que j'ai supprimé la plupart des gameplays. Donc j'ai dû tourner des gameplays en urgence hier parce que comme je suis stupide, je ne garde aucun gameplay et donc j'ai tout perdu. On va donc maintenant parler du prix du Marco Verratti. C'est un joueur vraiment très très accessible. Son prix se situe entre 8000 et 9000 crédits. Et donc si vous avez les crédits, n'hésitez vraiment pas à vous le prendre pour une Ligue 1 ou même pour des petites hybrides, parce qu'il fait vraiment la différence en milieu relayeur, que ce soit défensivement ou offensivement. Moi je trouve qu'il apporte énormément. On va donc maintenant parler de ses points négatifs, parce qu'il y a quand même des points négatifs chez le Marco Verratti. Donc au niveau de la frappe de balle, voilà, c'est Verratti, donc c'est réaliste, même si c'est vrai que là sa frappe est réellement dégueulasse dans le jeu. 58 en frappe sur la carte, 52 de finition, 58 en long shot. Il y a quelques frappes qui partent bien avec lui de temps en temps. D'ailleurs j'ai mis quelques extraits dans la review. J'ai pas mis les frappes dégueulasses, j'ai mis 2-3 frappes qui partent bien. Mais c'est vrai que c'est pas avec lui qu'il va falloir s'attendre à marquer des buts, parce qu'il m'a raté des trucs de folie dans les anciens gameplays, c'est-à-dire des moments où il était tout seul devant les cages et il arrive à la mettre à côté. Donc c'est vraiment pas un frappeur. Son jeu de tête, il est pas bon dans le domaine aérien. Bon, c'est prévisible, 1m65 au niveau de son jeu de tête, 55 en précision de la tête avec un 64 en saut. De temps en temps, il prend des ballons de la tête, mais c'est vraiment très très rare. Et enfin, sa stat en force à l'épaule, il a tendance à se faire bouger assez facilement. 56 en force, il compense par sa stat en équilibre. Mais c'est vrai que, au niveau de la force, en fait, sur l'aspect défensif, en fait, l'avantage, c'est qu'il est toujours en train de presser, de mettre ses pieds partout. Donc même si il a pas une énorme stat en force, il va quand même gêner les gens. Mais c'est vrai que sa stat en force pose quand même problème dans certaines situations. J'ai perdu le ballon des fois devant la surface parce qu'il mange un gros coup d'épaule et ça peut être problématique. Après, les points positifs chez le Marco Verratti, parce que derrière il n'y a que ça. Donc déjà, bon, les 4 étoiles geste technique, ça c'est la grosse nouveauté par rapport à l'année dernière. Il avait les 3 étoiles, maintenant il a 4 étoiles geste technique. Donc tu peux ce qu'il a avec le Marco Verratti et c'est juste un régal. 88 en dribble in-game, techniquement il est monstrueux. Sa qualité de passe, c'est de la folie. 83 en passe sur la carte. Comme vous avez pu voir, je lui ai fait tirer quelques corners, ça partait vraiment très bien. Et les coups francs en mode à 40 mètres des cages, t'essaies de la déposer pour qu'un mec prenne le ballon de la tête. Voilà, il y a vraiment une grosse qualité de passe chez le Marco Verratti. Ce que j'aime bien en fait avec lui, c'est que dans le dispo où je le joue en tant que milieu relayeur, en fait, sur les phases offensives, il joue limite milieu offensif. Ce qui fait qu'en fait Ben Arfa, c'est-à-dire le trio d'attaquants que j'avais, Lacazette, Ben Arfa et Ibra, c'était des buteurs, parce que du coup le Ben Arfa montait énormément et sur les phases offensives tu te retrouvais en supériorité quasiment à chaque fois. Et ça c'est quand même un gros point positif, son placement. Et sur les phases défensives, évidemment, il est toujours présent. D'ailleurs dans les points positifs, l'aspect défensif du Verratti, il a déjà un 89 en agressivité. Donc pour vous dire à quel point il est toujours en train de faire chier le porteur du ballon, d'essayer de gratter des ballons à droite à gauche. Défensivement, 83 en interception, 82 en tacle debout, 74 en tacle glissé. Voilà, il a vraiment de très très bonnes stats pour un milieu relayeur, parce que moi je le joue pas en tant que 6, hein. Je sais pas si des gens veulent le jouer en tant que milieu récupérateur vraiment pur. Moi je vous conseille de jouer en milieu relayeur, justement parce qu'il va être amené à monter. Donc là c'est déjà le dernier clip, cette passe magnifique pour Atem Ben Arfa. Il n'y a pas eu de but avec le Verratti dans cette review. Donc là vous avez son bilan au Marco Verratti qui s'affiche donc dans les points positifs. Sa vision, j'en ai pas parlé, mais voilà, une énorme vista pour les passes, c'est vraiment pratique, hein. 84 en vision de jeu. Défense, défensivement vraiment très très bon, 83 en interception, 82 en tacle debout, 74 en tacle glissé. Il est vraiment présent toujours pour mettre le pied, même s'il est battu à l'épaule. Voilà, c'est un petit c'est un petit pitbull, c'est à dire qu'il va tout le temps essayer de grappiller le ballon. Équilibre, il tient vraiment très très bien sur ses jambes malgré sa faible stat en force, ça compense, hein. Il a quand même un 94 en équilibre. L'agressivité, toujours sur le porteur du ballon. Les 4 étoiles mauvais pied, donc ça c'est un gros point positif pour les relances et pour justement envoyer les LBY. Parce que les LBY du Marco Verratti,
ils sont dopés. Voilà, c'est les mêmes qu'en vrai. En vrai, c'est un joueur, il est réputé justement pour ses ouvertures de ce style. Il te lâche les mêmes dans FIFA. Positionnement, moi j'ai kiffé l'aspect offensif du Verratti quand il monte, c'est-à-dire que c'est limite un numéro 10, sa qualité de passe qui est exceptionnelle, et les 4 étoiles gestes techniques, tu peux skiller avec le Marco Verratti, donc dans les points négatifs, sa stat en force se fait bouger très facilement à l'épaule. Au niveau de la frappe, il est dégueulasse. Et dans le domaine aérien, il prend très peu de ballons de la tête. Donc voilà, c'est tout pour cette review de Marco Verratti. J'espère que cette review vous a plu. Cette review t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à lâcher un commentaire, à partager cette vidéo à tes amis, à ta famille, à tout le monde. La prochaine review, ça sera la review de Alexandre Lacazette. Elle est prête, mais elle sortira pas tout de suite. Je vais sortir d'autres vidéos en attente. Demain, il y a une vidéo sur NBA 2K16 qui va sortir. Et mercredi, un squad builder d'une équipe low cost, parce que j'ai pris en compte les critiques par rapport à mes équipes super chères. Donc voilà, c'était Fatmat 80 HD. Je vous dis à la prochaine, les gens. Prenez soin de vous. Ciao.